Alors rapidement, petit tour de la boîte. On a le véhicule et on voit le Super Zings. T'as plus, il brille. Dans sa toupie. Il brille dans la lumière. Ah, ça on va le voir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la boîte? C'est le Super Zings Speed Fury Spin and Fight. Donc comme l'autre, Spin and Fight. Et on peut aussi changer en mode vol. Donc celui-là aussi il vole, Rémi. On a donc les Spin and Fight, c'est la série des Super Zings en toupie qui font des combats à la Beyblade, pour ceux qui connaissent. Et ah ben voilà Rémi, regarde, derrière la boîte on a le véhicule que tu avais eu, qui se font la bataille. Comme pour l'autre véhicule, il tire des missiles. Bon, ça c'est récurrent chez Super Zings, les missiles. Il a une casquette. Il a une casquette. Et est-ce qu'il y a quelque chose sous la boîte? Ah bah ouais. Alors sous la boîte, on nous explique. Gira la capsula para despe. Je me suis encore trompé de langue, attends. Je me mets en français. Fais tourner la capsule pour déployer les ailes. Ok. Appuie sur le bouton pour faire sortir la capsule launcher. Ok. Donc ça, ça fait sortir la capsule avec la toupie. Tire avec le canon. Classique. Introduit le Crazy Twister avec Kid Fury dans leur capsule launcher. Donc ça, on pose le Super Zings. Apparemment, Rémi s'appelle Kid Fury. On le met sur la toupie et la toupie dans le lanceur. Kid Fury. Tourne pour faire recharger et appuie sur le bouton pour tirer. Donc ça, c'est comme l'autre. Si vous avez vu notre précédente vidéo du véhicule avec toupie, on a pas mal galéré à le faire fonctionner. On va voir si on sera plus fort sur celui-là. Et enfin, lance le Crazy Twister avec ou sans le Speed Fury. Bon, Rémi. Papa, t'as fini de parler, t'as envie de l'ouvrir. Et oh, un peu de respect, jeune homme. Allez, je crois que t'as vraiment hâte. Oui, j'ai vraiment hâte. On passe tout de suite à... L'ouverture. In English, please. Unboxing. Allez, c'est parti. Le déballage des jouets de nos jours, c'est de plus en plus dur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en tout 4 éléments. Ben Rémi, t'as une casquette Super Zings? Oui. Ça, t'es un vrai fan, hein? Alors, on a la moto, oui. Le lanceur, qui a une casquette comme le héros qui sera dedans. Un méchant. C'est un gentil, lui. Non, un méchant. C'est un méchant? Oui. Je sais pas, je trouve que c'est un gentil. Non, c'est un méchant, regarde. Alors, gentil, c'est méchant, gentil. N'est-ce pas une question de point de vue, c'est au final? Le gentil, c'est lui, le gentil. La toupie. Le personnage, donc, Kid Fury. Et enfin, le meilleur pour la fin, la moto. On fait un tour d'horizon, on a les missiles, les ailes qui se déploient. Alors montre-nous Rémi, comment ça marche? On prend le personnage. On le met là-dedans. Ensuite, tu le mets dans le lanceur. Regardez comme ceci. Et on tourne pour actionner le mécanisme. Oui. On le charge. Voilà, je vais montrer Rémi de près. Attends. Attends, c'est pas encore fini. Excuse-moi. Le personnage est à l'intérieur. Et ensuite Rémi, tu le places dans la moto. Oui, dans la moto, comme ceci. Et ensuite, attends. Tourne. Et normalement. Ça doit se lever. Ah, d'accord, c'est en tournant le lanceur que les ailes se sont relevées. On peut activer et désactiver les ailes. Les activer. Et maintenant, s'il veut s'élancer de sa moto en mode toupie, comment il fait? La toupie fonctionne, mais Kid Fury s'est cassé la figure. On va essayer de faire fonctionner. Je veux pas revivre ce qu'on avait créé avec l'autre véhicule bleu, on a mis longtemps à réussir. Allez, là on va, je suis sûr qu'on... Je disais, je suis sûr qu'on va réussir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, les Super Zings, en film, ils font comme ça. Ah, là, ils tournent. Mm-hmm.
A few minutes later. Bien, je te propose d'essayer les deux canons de cette moto. Rémi, il te faut des cibles. Qu'est-ce que je vais prendre pour servir de cible? Toi. Et... toi. Un dernier. Toi. Et toi. Vas-y. Tu vas devoir tirer sur les Super Zings avec ton canon. Attends. 3, 2, 1. Loupé. Ok, avec l'autre. Je suis sûr que vous y aurez réussi. Loupé. Allez, recharge, on recommence. Non, on va pas charger. C'est pas un canon. Et c'est un canon. C'est pas un bouton, c'est pour ça que t'arrives pas à appuyer. C'est pas un canon, regarde. Sur la boîte, il y avait écrit, il y a que deux canons. C'est ceux-là qui bougent là. Donc recharge, on recommence. Faut que tu réussisses, Rémi. Essayer. Mettre un côté. Papa, papa, va mettre un qui est plus haut. Ah, en hauteur? Oui. Allez. On va en mettre un sur l'engin de chantier. Ici. Vas-y, essaie de le viser. Oui. Loupé. Allez, Rémi. Moi, je vais essayer. Je suis sûr que je vais réussir. Yes. Oh. Je l'ai fait tomber. Oh, ah bah faut avoir du talent hein. Loupé. Allez, je t'aide. T'es prêt? Oui. Je t'aide à viser. Vas-y, appuie sans toucher. Yeah. Yeah. Bravo, check. Un point. Un point, mais on va s'arrêter là, ça paraît compliqué. Par contre Rémi, il faut réessayer quand même la toupie. C'est quand même la feature centrale de ce jouet. Éjection en mode toupie. Ça va mal. Ah, parce qu'il était par terre, c'est pour ça. Ah, il n'a pas beaucoup tourné. Hein. Pourquoi? Oh oh. C'est moi qui appuie, c'est moi. C'est moi. Yeah, t'as vu? Apparaît, oui. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, ça me fait 2 véhicules toupies. Je suis trop content. Moi, j'ai hâte de faire